Bonjour, aujourd'hui, et pour continuer à apprendre à se servir d'un bateau et connaître les parties principales, nous allons voir ce que c'est qu'un winch. Un winch est un système qui permet de pallier la tension induite par les voiles ou par le bateau sur les boots, donc le cordage, et ainsi de pouvoir soit les relâcher, soit les tendre en fonction des désirs. Donc cette winch est cette partie du bateau, il y en a plusieurs sur le bateau en fonction de la position. Celui-ci est par exemple utile pour régler la voile d'avant, mais on peut en rencontrer d'autres au niveau du piano ou au niveau du pied de main pour régler les drisses, les halbas, les autres parties du bateau. Le winch ne tourne que dans un seul sens et le but, c'est de pouvoir faire des tours de l'écoute ici présente autour du winch, toujours dans le même sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour pouvoir tirer dessus et que cela puisse faire de la tension sur les boots. On se rend bien compte en tirant dessus que ça tourne dans un seul sens, alors que si on tire de l'autre, il y a un blocage. Lorsqu'il y a trop de tension sur un winch, on peut faire un troisième tour ou un quatrième tour sur le winch. Et si on n'arrive pas à tirer dessus parce qu'il y a trop de tension, on peut se servir d'une manivelle de winch qui va se mettre sur le dessus. Et en fonction de la vitesse, grande vitesse ou petite vitesse, nous allons pouvoir reprendre de la tension sur les boots. Lorsque vous aurez besoin de choquer, c'est-à-dire de lâcher de la tension sur le boot, ce qui pourra être une drisse ou une écoute, il faudra bien penser à relâcher tranquillement la partie du boot qui est molle et à garder précautionneusement la main sur le boot pour pouvoir relâcher en fonction des désirs. Voilà donc à quoi sert un winch. Nous pourrons voir par ailleurs quelle peut être son utilité en navigation.